Je suis ambassadrice en Lettonie depuis juin 2020. Donc ici, notre ambassade a une fonction politique, une fonction consulaire, une fonction d'influence. On a aussi un institut français, on fait de la coopération culturelle. Ce que nos autorités attendent de l'ambassade, c'est d'arriver à comprendre, à anticiper, à expliquer quelles vont être les positions que va défendre la Lettonie dans les différentes négociations européennes, d'arriver à analyser la situation sociologique, économique, politique du pays pour comprendre ce qui motive, ce qui porte les Lettons dans les positions qu'ils défendent ou au niveau des questions d'OTAN, au niveau des questions stratégiques, enfin toutes celles dans lesquelles on est partenaire, allié, sur lesquelles on travaille ensemble. Donc on nous demande, nous, de connaître voilà, qui sont les décideurs, qui sont les influenceurs, qui sont les gens qui peuvent faire évoluer les positions. On travaille beaucoup avec les Lettons sur la guerre qui ébranle quand même considérablement notre continent et qui fait réfléchir sur l'architecture de sécurité. On est partenaire au sein de l'OTAN. Pour les Lettons, c'est quelque chose d'extrêmement important que de renforcer le flanc est de l'OTAN. Et c'est vraiment une priorité ici. La Lettonie étant une frontière extérieure de l'Alliance, c'est pour les raisons qu'on imagine facilement voilà, une question qui les préoccupe. Un autre sujet qui est très important dans notre relation bilatérale, c'est tout ce qui est lutte contre la désinformation. C'est un sujet sur lequel les Lettons ont beaucoup misé dans leur politique extérieure, c'est une de leurs priorités. Et il y a ici aussi le centre d'excellence de l'OTAN dédié aux communications stratégiques qui a une activité importante à laquelle on participe, on envoie aussi des experts, on essaye d'apporter aussi l'expertise française sur ces questions. À Sciences Po, à Paris, on avait une petite association qui s'appelait Solidarité Balte. Les pays baltes se battaient pour leur indépendance, il y avait une activité voilà, militante de soutien et puis ensuite des voyages. J'ai participé donc à l'échange qui a eu lieu à l'été 92. La vie était très dure, mais les gens enfin, vivaient dans une telle exaltation d'avoir retrouvé leur indépendance après une occupation soviétique qui avait été quand même extrêmement dure, et notamment sur le plan culturel, parce que la culture lettonne était niée. Quand on arrivait de France avec une vie assez facile, d'avoir le récit voilà, de tout ce que ces gens avaient dû endurer pendant l'occupation soviétique, c'était quelque chose aussi qui était humainement très très fort en fait. On s'apercevait, d'abord on touchait du doigt nos privilèges et puis on s'apercevait à quel point la résistance lettonne à cette occupation et la préservation de leur culture avait été vraiment admirable et difficile. La famille qui me recevait, qui n'avait aucun lien particulier avec la France, hein, c'était des gens qui avaient une fille étudiante et qui avaient une chambre qu'ils ont pu me passer pendant la durée de ce séjour, ne parlaient pas du tout français. Mais chez eux, dans leur bibliothèque, une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'ils avaient des rayonnages entiers de poésie. Et ils avaient notamment des œuvres de René Char, qui n'est pas l'auteur forcément le plus répandu et pas l'auteur français qu'on s'attend à trouver dans une maison comme ça, sans à quel point c'est une ville qui est profondément européenne. Et c'est toujours très fascinant d'être aussi loin de la France et de voir, voilà, on a une extrémité du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe là à quelques kilomètres de la ville. Vous avez beaucoup d'éléments dans la ville qui sont très profondément européens et ça a un côté aussi assez émouvant quand on s'aperçoit que le ciment de ce qui fait notre Europe s'incarne aussi ici dans des choses très, très concrètes, très, très visibles.